Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. En 1963, Georges Charbonnier consacra 10 entretiens à l'écrivain, poète, romancier, essayiste, critique de cinéma, peintre, mais surtout homme de théâtre, Jacques Audiberti. Mais Audiberti est aussi un lecteur magnifique. À travers son œuvre et celle des autres, il nous permet ici d'entrer dans la fabrique de sa pensée et de sa langue. Nous vous proposons d'entendre les deux premiers entretiens de cette série d'émissions. La radiodiffusion télévision française présente Entretien avec Jacques Audiberti, une émission de Georges Charbonnier, assistante de réalisation Nicole Guesveller. Aujourd'hui, l'écrivain. Jacques Audiberti. Si je dis que vous êtes un écrivain, comment recevez-vous le mot écrivain ? Je le reçois un peu avec malaise. Je ne sais pas trop s'il s'agit d'une flatterie ou d'une légère moquerie solennelle. Non, en effet, je ne sais pas comment je dois le prendre. Suis-je au sommet de la société ou suis-je à la traîne ? Ça, je n'en sais absolument rien. Est-ce que je fais partie de la véritable société humaine efficace et constructive, ou est-ce que, au contraire, j'appartiens aux résidus infantiles de cette même société ? Voilà ce que je ne sais pas du tout. Peut-être vous répondrai-je avec un peu plus de sérieux ou une certaine ambition vers la précision si nous nous efforcions de concert à définir le mot « écrivain ». Pour ma part, je vous proposerai, et cette définition proposée ne vaut que ce qu'elle vaut, c'est-à-dire sans doute pas grand-chose. Je vous proposerai donc de distinguer entre l'écrivain, l'écriveur et l'écrivant. Quelle distinction faites-vous ? Car enfin, vous recevez avec humour mon affirmation, ma question plus exactement, mais je crois pouvoir dire pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Vous êtes écrivain, mais je crois pouvoir dire que pour vous aussi, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Et vous savez fort bien que vous êtes un écrivain. Alors, comment allez-vous établir la distinction entre écrivain, écriveur et écrivant ? Je suppose que ces trois distinctions vont toucher à la nature des rapports de l'homme qui est écrivain, qui est écrivant ou qui est écriveur avec le langage. Je pense que c'est la nature de ces rapports qui va vous décider. Alors, quels sont les types de rapports qu'un homme qui fait le métier d'écrire des mots, et alors là je ne colore pas du tout le mot écrire, quelle est la nature des rapports qu'un homme qui fait le métier d'écrire peut entretenir avec le langage ? En somme, si nous essayons de donner une définition un peu claire et un peu précise, parmi les gens qui font profession d'écrire, l'écrivain serait celui qui considère qu'il a un droit de suzeraineté plein et total sur le langage. L'écrivain possède le langage, considère le langage non seulement comme son outil, mais comme son fief, comme ses armes, au sens, disons, nobiliaire ou chevaleresque du terme, tandis que celui que j'appelle l'écriveur, et qui a les mêmes dons intellectuels que l'écrivain, peut-être même davantage, celui-là, humblement, ne se sert du langage qu'avec modestie, prudence et réserve. Expliquons-nous. Un type très présentable et très souhaitable d'écrivain serait, disons, Charles Baudelaire, ou encore mieux, ou en tout cas tout autant, Victor Hugo.
Il s'agit là de gens qui, avec une sincérité, une bonne foi, une tranquillité absolue, considèrent qu'ils sont en quelque sorte consubstantiels au langage. Le langage, c'est eux. Il est à eux et il est eux. Tandis que l'écrivain est l'homme, de grand mérite lui aussi, qui rédige des œuvres didactiques, qui rédige des plaidoiries, des mémoires, qui emplit les bibliothèques humaines d'une considérable quantité d'œuvres, toutes plus parfaitement écrites et pensées les unes que les autres, mais celui-là ne pense pas qu'il a partilié d'une manière régalienne avec le langage. Encore une fois, le langage est son instrument dont il se sert finalement comme un ouvrier, un artisan, un travailleur se servirait des outils. Maintenant, il y a une troisième catégorie. Nous avons donc parlé de l'écrivain type Victor Hugo. Nous avons parlé de l'écriveur. Je n'ai pas de référence immédiatement à l'esprit. Peut-être des gens comme, sais-je moi, Élisée Reclus, par exemple, ou les professeurs qui écrivent des traités de psychanalyse, ou selon encore qui, à cette heure, maintenant, dans Paris, quelque part, rédigent encore une fois une grammaire française. Donc, à côté de l'écrivain Baudelaire, à côté de l'écriveur Élisée Reclus, par exemple, il y a l'écrivain, c'est-à-dire tous ceux qui vaille que vaille écrivent, qui ne sont pas des écriveurs parce qu'ils n'ont pas le sérieux technicien des compilateurs et des rédacteurs de livres savants, qui ne sont pas non plus réellement des écrivains parce que leur droit à la possession du langage n'est pas net, se teinte de quelques boiteries, s'affecte d'une ambition qui n'est pas suffisamment haute finalement. Elle existe, cette ambition de laisser un nom ou d'atteindre les grands sommets de la mémoire humaine, mais elle existe mal ou d'une manière un peu frauduleuse quelquefois. Enfin, ces gens-là, ce sont ceux qui écrivent, qui font des romans, qui font des articles, et qui les font bien, qui les font mal, qui les font peu, qui les font beaucoup, mais qui en général ne visent pas haut. D'une part, ce qui leur interdit d'être des écrivains absolus, et qui d'autre part manquent quelquefois de ce sérieux fondamental qui appartient aux rédacteurs encyclopédiques. Vous avez dit tout à l'heure que l'écriveur, écartons l'écrivain et considérons l'écriveur et l'écrivain. L'écriveur est celui pour lequel le langage est un instrument. Et si je vous comprends bien, l'écrivain est celui pour lequel le langage est son objet propre. Mais il est aussi instrument. Et de toute manière, même chez l'écrivain, je ne connais pas un seul écrivain qui ait avec le langage des rapports réduits au langage lui-même, si j'ose dire. Je veux dire que il y a toujours un contenu impur dans l'écriture la plus parfaite de l'écrivain. Il y a toujours un objet apparent, la trame d'un récit, la trame d'un scénario. Son poème semble consacré à tel ou tel objet, et finalement la structure linguistique souvent disparaît derrière cet objet apparent dont l'écrivain n'arrive pas à se débarrasser tout à fait. Et si je comprends bien votre réserve, il y a des parties d'écriveur ou des parties d'écrivain chez l'écrivain, mais dans tous les cas, l'écrivain, quand à la suite de je ne sais quel examen suprême, un individu peut se prétendre tel, l'écrivain de ses manques et de ses maladresses pourra toujours dire qu'elle porte pierre, comme le diable des légendes provençales. Baudelaire, par exemple, exprès, termine ses plus grands poèmes brusquement, avec une curieuse malice, par deux vers tout à fait prosaïques et terre-à-terre. Là, il va au-devant de votre objection, cessant d'être le fils du ciel ou le fils de l'enfer, en ce qui concerne lui Baudelaire. Il affecte brusquement de ne pas tenir le coup. À la fin de ses poèmes, nous trouvons tout d'un coup deux vers pleins d'une banalité pédestre, de vers terre à terre. Mais le clignement d'œil existe. Tout grand poète que je suis, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'aussi grands poètes. Et par confraternité humaine, je les imite dans une légère défaillance voulue. Tel est le cas, me semble-t-il, parfois, de l'écrivain qui est
royal et majestueux. Cela apparaît par exemple dans Claudel, qui n'engendre pas chez moi l'admiration ou une sympathie sans borne, mais là nous avons l'exemple de quelqu'un qui, toujours sur la brèche, toujours sur le pont, se veut, se sait, se ressent écrivain. Mais ses farces, ses truculences font semblant de friser la banalité, mais il sait, lui, ce qu'en vaut l'aune. Il ne lâche ses gros renvois de soupe lyrique que pour bien montrer qu'il n'affecte en rien à ses renvois. Ses truculents renvois, le pacte essentiel qui le lie à l'éternité, mettons. Oui. Je feins de n'avoir pas compris ce que vous vouliez dire. Et si je vous demande à quoi l'écrivain applique-t-il le langage ? L'écrivain applique le langage depuis le commencement des écrivains à la résolution éternellement renvoyée et éternellement impossible d'un problème qui est toujours le même pour les écrivains depuis le commencement des écrivains, c'est-à-dire les rapports de l'homme avec ce qui est au-delà ou au-dessus de l'homme, avec Dieu, avec la mort et avec l'amour. L'écrivain ne parle que de ça. Même quand il met en scène Gavroche, même quand il raconte les démêlés des canonniers de la frégate La Clémore avec les canons qui se sont, pour ainsi dire, libérés de leur cordage dans l'entrepont et qui massacre les marins et les artilleurs du bord, ceci est dans 93 de Victor Hugo, même quand il affecte de ne plus savoir très bien écrire, ou qu'il raconte des histoires qui mettent en scène des hommes et des objets, quelconques ou habituels, l'écrivain ne sort pas de son idée fixe, qui est le rapport de l'homme avec le destin général de l'homme et du monde. Là est l'écrivain. Jamais, quoi qu'il écrive, il ne perd de vue son propos. Même s'il écrit un billet pour un rendez-vous avec un éditeur, eh bien, en filigrane, il y a toujours cette préoccupation majeure. Bon, ça n'est pas dans l'emploi du langage que, dans la technique d'emploi du langage, que vous faites résider la condition d'écrivain. Sûrement pas. Sûrement pas. Bien que dans un cas comme celui de Claudel, ou dans Victor Hugo, ou dans Baudelaire. Ou dans Mallarmé. Je vais venir à Mallarmé si vous le permettez, qui sont des représentants très qualifiés et très augustes de la condition d'écrivain, on peut penser qu'une certaine solennité, qu'une certaine vibration, qu'une certaine démence un peu grandiloquente et délirante marque par quelque aspect la condition de l'écrivain, enfin témoigne de l'existence d'un état d'écrivain chez l'écrivain. Chez Mallarmé, je ne le sens pas tellement. Je ne sens pas chez Mallarmé comme chez, enfin, précisons par des noms propres, comme chez Baudelaire, comme chez Hugo et comme chez Claudel, je ne sens pas chez Mallarmé, ni même chez Valéry, cette espèce de présence continuelle de la majesté intime ou de la démence intime de l'écrivain avec un grand T qui se conçoit comme tel. Alors je me demande si, dans le cas de Mallarmé, nous ne nous trouvons pas en présence d'un homme, d'un écrivain, vous recevez le terme en ce qui concerne Mallarmé, je pense, d'un écrivain pour lequel la technique d'emploi du langage est tout à fait primordiale et peut-être l'objet principal. Je n'ose pas dire le seul objet, mais je sens que j'ai envie de le dire. Oui, au fond, vous avez raison, la technique d'emploi du langage chez Mallarmé ressortit indubitablement à une volonté systématique et continuelle de saisir les clés du monde. Ce que je voulais dire, c'est qu'il ne me semble pas, pour autant que les personnalités suintent à travers leurs livres et à travers la légende et à travers l'histoire, il ne me semble pas que Mallarmé soit exactement de la même famille que ceux que je viens de nommer, c'est-à-dire Hugo, Claudel et Baudelaire. C'est peut-être une question de physique, une question pittoresque. Ce qu'il y a de certain, c'est que sa tentative de saisir le monde dans le langage est très particulière et l'exclut, bien entendu, de la famille des écrivains et aussi de la sincère et austère et infiniment respectable famille des écrivains. Il est donc bien un écrivain, mais un écrivain et qui se fond ou qui disparaît dans son œuvre, dans son écriture. L'œuvre de Mallarmé, c'est l'œuvre de Mallarmé, et qui engendre
le dévouement passionné d'Henri Mondor et d'autres biographes tendant à travers cette œuvre à restituer la figure de l'homme qui semble, lui, inaccessible, n'est-ce pas, ce Mallarmé qui se cache vraiment derrière son œuvre à tel point qu'il faut des montagnes de livres biographiques pour essayer de le ressaisir. Oui, et il n'est pas démontré d'ailleurs qu'on a envie d'aller jusqu'à l'homme. J'ai cru remarquer que pour beaucoup d'amis de la littérature, de gens qui mettent un intérêt très vif dans la chose littéraire, sans être même écrivain, la personne de Mallarmé n'était pas un objet d'attraction très grand, alors que l'œuvre était un objet d'attraction très grand, si bien qu'on voyait nettement une coupure entre la vie et l'œuvre de l'homme, qu'il ne restait plus que l'œuvre de l'homme, et que cette œuvre examinée paraissait bien être, comment dirais-je, le langage s'appliquant à soi-même. Il semblait bien que là, le langage était l'objet premier. Et en même temps, je sens bien la présence de tout ce que vous venez de dire. L'écrivain est un homme qui se préoccupe d'un certain nombre de questions et Dieu, l'amour, les autres, et puis exclusivement ceci et absolument rien d'autre. J'entends bien tout cela et dans Mallarmé, mais c'est pas ça que je remarque d'abord. C'est probablement la forme même de son langage ou de son écriture qu'il a apparenté plutôt aux savants, aux mathématiciens, lesquels, en principe et en général, n'encombrent pas les légendes humaines. Ce ne sont pas les fabricants de théorèmes qui sollicitent l'attention des fabricants de vie historique au cinéma, par exemple. L'œuvre de Mallarmé a une odeur sèche, a une odeur de théorème. Et peut-être l'a-t-il voulu, mais il n'y a chez lui rien de ces éléments physiques ou psychiques attractifs qui ont entouré, par exemple, Tolstoï, ou Kipling, ou D'Annunzio, pour sortir du domaine français. On dirait en effet que cet écrivain, que ce poète, n'a eu qu'un rêve, ne pas en être un. Et, évidemment, par le moyen du langage, parvenir à établir une structure de base des phénomènes universels qui emprunteraient cette structure de base, emprunteraient sa forme à la littérature, à l'alphabet, au langage, mais son esprit, par contre, serait algébrique ou serait mathématique. Moi, j'ai souvent rêvé devant ce projet qui rejoint peut-être les vieilles cabales, ce projet d'une numérativité alphabétique du monde. L'intention de prendre au piège les divers phénomènes qui nous entourent et qui nous peuplent nous-mêmes et d'en faire un code, une physique et chimie en termes de poésie, mais avec le sérieux d'une science mathématique où les mêmes causes produisent les mêmes effets et où l'application technique de formules algébriques achemine à la construction d'un porte-avions ou à la fabrication d'un remède contre le phylloxéra. On sent éparse dans toute l'œuvre de Mallarmé, on croit la sentir en tout cas, cette intention de réduire le monde en comprimés lyriques, versifiés et rimés. Je crois aussi que telle était en effet son intention. Mais la clé de sa démarche, et en tout cas l'expérimentation possible de son procédé, à ma connaissance, sont demeurées lettres mortes, et en tout cas, on n'est jamais parvenu à accélérer la fonte des neiges ou la croissance du froment en récitant en plein air des vers de Mallarmé, ou même en agissant, je ne sais par quel moyen d'ailleurs, phonétique ou de calcul pseudo-arithmétique, sur ces phrases, sur ces mots, sur ces virgules, sur ces points. Il n'en reste pas moins que l'œuvre de Mallarmé se présente comme peut-être le simulacre de ce que pourrait être une mathématique d'ordre littéraire. C'est la première tentative, indiscutablement. Vous pensez que c'est la première tentative? C'est là que quelques études que l'on commence à faire actuellement tirent leurs sources. C'est avec Mallarmé que l'on commence. Avec Mallarmé, on commence à analyser la structure du langage, puis tout s'arrête, ça dure des années, et en 1962, par là, on recommence. Et je me demande si ce n'est pas pour ça que, si l'on considère le 19e siècle, Mallarmé est un écrivain d'un type un peu particulier. Car si on définit l'écrivain autrement que par ses rapports avec le langage, si on le décrit par ses rapports avec la société, qu'est-ce qu'un écrivain entend comme social?
Alors, c'est vous-même qui le faisiez observer. On peut définir un type d'écrivain du 19e, là. Chez Mallarmé. Non, en général. En général. Et Mallarmé n'y répond pas tellement. Non, il n'y répond pas. Non, il n'y répond pas. L'écrivain du 19e est à la fois dans la société, soit comme politicien, comme bourgeois, comme consommateur, tel Victor Hugo ou Zola, soit, toujours dans les rangs de la bourgeoisie d'ailleurs, comme réfractaire, comme anarchiste, si l'on veut, tel à la rigueur Charles Baudelaire. Ils sont à la fois dans la société, les uns comme les autres, les anarchistes comme les consommateurs épais, et en même temps hors de la société. Ils s'extraient de la société pour la regarder et pour la décrire. Ils assument sur eux la charge de proférer les rêveries supposées de leurs congénères humains. Ils sont eux-mêmes des hommes, ils sont eux-mêmes inscrits dans une société, mais en même temps, ils ont l'audace, ou la lâcheté, il faut bien le dire, de faire semblant, quand ils écrivent, de ne point en être. Zola découvre, et ça, cela, et ce qu'il fit, fut un effet très intéressant, Zola, après Eugène Sue, après Hugo, après Balzac, découvre le monde parisien avec plus d'ingénuité, plus de saisissement, plus de surprise que jamais explorateur n'en éprouva à remonter l'Amazone ou à pénétrer parmi les peuplades de l'Afrique centrale. C'est assez curieux, ce rôle de l'écrivain du 19e siècle auquel je songe avec une certaine mélancolie car je suis né à l'extrême rebord de ce 19e siècle, je suis né en 1899 et je comprends assez l'état d'esprit de ces gens qui étaient encore celui des journalistes d'après la Grande Guerre en 1920, en 1925. Tout était à découvrir, non seulement les pêcheurs de morue, non seulement les geysers de l'Islande, mais aussi les gardiens de square, les chésières, les religions secrètes de Paris et ce monde, même ce monde parisien, et je l'ai oublié, les derniers fiacres, car il y a toujours un dernier fiacre à Paris, et ce monde nous était à la fois consubstantiel, nous baignions dedans, et extérieur. Or, maintenant, l'écrivain d'aujourd'hui, si je continue cette étude évidemment bien sommaire et bien rapide, l'écrivain d'aujourd'hui ne peut plus se payer le luxe de faire semblant d'être à la fois dedans et dehors. Il est rigoureusement dans le coup. Il ne suffit pas d'aller s'installer quelque part sur la côte catalane ou dans l'arrière-pays de Jean Lépin pour en inférer que l'on regarde de loin et de haut le monde humain comme de bonne foi pouvaient le faire les gens du 19e siècle. Maintenant, personne n'est dehors. On est pris de tous les côtés, on est cerné de tous les côtés, écrivain ou pas écrivain. Personne ne peut plus le faire, me semble-t-il, aux druides, aux clochards supérieurs, à l'envoyé du ciel, qui oserait le faire? Tous les transistors sont là, on entend des vibrations d'avions partout, les préoccupations sociales et fiscales sont, je pense, les mêmes pour tout le monde. Tout le monde est écrivain, et l'écrivain est tout le monde. C'était Entretien avec Jacques Audiberti, une émission de Georges Charbonnier, assistante de réalisation Nicole Guesveller. Aujourd'hui, l'écrivain. La radiodiffusion Télévision française présente Entretien avec Jacques Audiberti,
Une émission de Georges Charbonnier. Assistante de réalisation Nicole Guesveller. Aujourd'hui, roman et poésie. Jacques Audiberti, vous avez écrit un ouvrage que j'ai entre les mains qui s'appelle « La beauté de l'amour » et je vois, peut-être pas comme un sous-titre, comme une indication, « Roman en vers ». Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe ? Je voudrais que vous m'expliquiez comment on peut concevoir et comment vous avez conçu l'idée de faire un roman en vers. C'est certainement un paradoxe, c'est certainement une tentative qui correspond à je ne sais quoi de très précis, probablement à une intention de sortir des sentiers battus de la poésie. Évidemment, qu'il s'agisse d'un roman ne suffit pas à conférer à une suite de vers un caractère utilitaire. Certes, pas. Mais c'est bien avec l'arrière-pensée de rompre avec la gratuité de la poésie que j'ai rédigé cette sorte de roman ou de nouvelle en vers. En d'autres termes, j'étais frappé toutes ces dernières années par le désaveu où les lecteurs tenaient la poésie. Art gratuit, art à côté, art illustre et inutile. Et comment réintégrer la poésie dans une série d'activités humaines normales et utiles? Comment? Ce n'est sûrement pas ce petit roman en vers qui aura ouvert à la poésie les voies de la vie vraie, de la vie réelle. Certes pas. Mais il y a, je le répète, là, une petite indication de mon inquiétude devant l'inanité sonore, comme disait quelqu'un, de la poésie poésie, de la poésie pure, de la poésie qui marche nue et offerte. Offerte à quoi? Offerte à qui? Offerte peut-être au néant. Tandis qu'en parlant de roman, eh bien, ce jour-là, j'ai eu l'impression que mon livre devenait quelque chose d'un peu plus adulte, d'un peu plus sérieux, disons, que les livres de vers en général, écrits on ne sait par qui, pour on ne sait qui se perdent dans les fumées, dans les nuées, dans le vent, dans rien. Voilà ma réponse, cher monsieur Charbonnier. Oui, mais une partie de ces ouvrages qui se perdent peut-être en raison de leur absence de qualité. Ils ne se sont en tout cas pas tous perdus. Il y a de grands livres poétiques, bien sûr. Il y a eu des gens qui, dans des repas de communion, ont récité des poésies de Victor Hugo, récité La fiancée du timbalier, peut-être, ou encore des poésies de François Coppée. Il y eut en effet un temps où la poésie, la vraie, la bonne, la reconnue, la sanctionnée, n'était pas aussi loin qu'elle l'est maintenant des tables familiales et de la mémoire des Français. Au lendemain de la dernière guerre, de la dernière en date de nos guerres, la poésie a joui ainsi d'une sorte de renouveau, de nouveau printemps. Il y eut, dans des années sombres, des gens qui se précipitèrent sur des ouvrages poétiques de grande valeur d'ailleurs. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien, mais il semble que tout d'un coup, la poésie soit morte. Mort provisoire, assurément. Mais enfin, tout de même, on peut constater qu'elle s'était évanouie, qu'elle n'était en tout cas plus là. À quelle date diriez-vous qu'elle s'est arrêtée? Après Mallarmé? Non, l'expérience surréaliste est recevable encore. Oh oui, oui. Non, il semble que ce soit après les lendemains de la dernière guerre que la poésie ait cessé vraiment de compter. Anéantie d'ailleurs par sa propre, comment dirais-je, par sa propre diffusion, par sa propre extrême, illimitée dimension, anéantie parce que plus rien ne la cantonnait dans des normes ou dans des formes perceptibles. Elle devenait pur langage aberrant, elle devenait expression vague, floue, illimitée,
et d'une facilité insupportable. Elle s'est noyée dans son propre flot de vers librisme incontrôlé autant qu'incontrôlable. Quand la forme fixe a disparu de la scène, la poésie l'a suivie. La poésie a été exactement comme une âme sans forme. Elle s'est fondue dans le néant des jours et des nuits. Je daterai donc la mort apparente et momentanée de la poésie de l'instant où le dernier sonnet fut écrit par le dernier poète formel ou formaliste. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle revient sur l'eau. Pourquoi revient-elle sur l'eau? Parce qu'il y eut les chansonniers. Après Paul Valéry, il y a eu encore de la poésie, mais il n'y eut plus de poèmes. Et les poèmes recommencèrent avec Léo Ferré, et avec Georges Brassens, et avec tous les aimables compagnons et camarades qui chantent, s'accompagnant tout le long d'une guitare, des textes qui sont des textes rythmés, des textes rimés, qui sont le même genre de texte quant à l'apparence formelle que ceux précisément qu'écrivaient dans le passé les Victor Hugo, les Baudelaire et les Paul Valéry. Si je considère l'histoire de la poésie, disons depuis la Divine Comédie par exemple, j'ai l'impression que l'histoire de la poésie, c'est l'abandon progressif de tous les sujets jusqu'à l'abandon du sujet. Vous ajoutiez tout à l'heure l'abandon des formes fixes. Est-ce que le retour de la poésie dont vous parlez est dû à la prise en considération nouvelle de formes fixes d'une part et à un retour à des sujets ou au sujet? Probablement aux deux, c'est-à-dire le sujet, l'histoire ou le sentiment précis et bien défini d'une part et d'autre part, la forme fixe, c'est-à-dire un support prosodique, assorti ou non de musicalité vraie, assorti ou non de guitare, mais guitare à part, les textes qui font la fortune et la juste gloire de nos chansonniers ou de nos chanteurs, je ne sais pas exactement quel est le terme qui convient, au fond il s'agit là de troubadours, ces textes-là correspondent en effet aux conditions dont vous parlez, c'est-à-dire un récit, c'est-à-dire une forme. Est-ce que l'on peut prévoir un élargissement du sujet? Car j'avais pris la Divine Comédie parce qu'il me semblait justement que, à ce moment-là, les objets de la poésie sont si vastes que tout peut être sujet pour la poésie. Mais la Divine... Absolument n'importe quoi, jusqu'à la philosophie. Mais il me paraît difficilement concevable, par exemple, maintenant, d'écrire un ouvrage poétique qui s'attacherait à tel ou tel point de philosophie. Il ne semble pas, en effet, que pour l'instant, qui que ce soit y songe. Il n'est pas non plus exclu que dans l'évolution des mœurs telles qu'elles se présentera, quelqu'un, en effet, y songe de nouveau, comme Dante en son temps. Mais je crois que l'exemple de Dante est un peu loin de nous et de notre vie actuelle. Venez à prendre un exemple de poésie s'appliquant à tout. Or, c'est ce que l'on trouve dans la Divine Comédie. La poésie s'applique à tous les sujets. Alors là, je vous répondrai que les héritiers de Dante et de Victor Hugo, qui lui aussi rêva de raconter le monde et les dieux et tout dans un livre de poèmes, les héritiers de Dante et de Victor Hugo, et de tous les grands fabricants d'Iliade et de Paradis perdu, et les Ariostes et les Tasses, leurs successeurs actuels, ce sont les romanciers en prose, ce sont les Giono et ce sont les Céline qui ont abordé l'épopée exhaustive, autrement dit totalisante du monde, n'est-ce pas? Et non point les poètes qui, en général, furent des sculpteurs de breloques. Je parle encore une fois de nos poèmes et de nos poètes récents. Le poète français, dans les 30 ou 40 dernières années, ne se considérait pas comme le recréateur du monde en sa plénitude totale, mais au contraire comme un ciseleur partiel des aspects de ce monde. Néanmoins, je serais très étonné que la poésie puisse envisager
d'embrasser à nouveau des sujets très divers, très vastes. Alors, est-ce qu'elle ne va pas se trouver dans une impasse? On peut prévoir pour elle, quoi, le retour à des formes fixes, même à des formes nouvelles, mais fixes. Et puis, des sujets très limités. Pour l'instant, non seulement la poésie est en cause, mais la littérature. En ce qui concerne les grandes épopées, il s'en écrira certainement, encore, probablement en prose, et probablement à d'allure romancée. Mais en effet, je ne vois pas l'intérêt même qu'il y aurait à tenter un rebrassage, un regroupement, une institution d'éloquence à partir du monde dans lequel nous sommes maintenant. Dans quel monde sommes-nous? Nous sommes dans un monde qui est encore celui de Dante et à la rigueur celui de Hugo, mais qui est d'ores et déjà celui des grandes inventions machinistes, des immenses trouvailles industrielles, qui, et c'est là la grande difficulté pour la poésie de survivre, ces grandes réalisations industrielles et ces grandes réalités machinistes se suffisent à elles-mêmes comme expression. Elles sont, par la main de l'homme et à travers le génie de l'homme, l'expression du monde. Elles sont déjà, en somme, avec leur nickel, avec leur cyclotron, avec leur tungstène, avec tout leur barda et tout leur fourbi métallique ou électronique, elles sont déjà, en somme, une expression de la nature, une expression de la vie. La poésie, les décrivant, serait une poésie au second degré, serait une poésie s'appliquant à une poésie. Qui donc aurait le courage ou l'idée saugrenue de chanter un alexandrin, le vrombissement des hélices ou le froissement imperceptible des espaces sidéraux par les fusées présentes et par celles de demain. Encore une fois, fusées et astronefs et toutes les formes à prévoir ou déjà acquises de la suprême industrie humaine sont une poésie, sont une chanson, sont un cri de l'homme ou un cri de Dieu à travers l'homme. Qu'est-ce que la poésie viendrait faire avec ses gros sabots? Je dis bien... Elles sont déjà des œuvres d'art? Elles sont déjà des œuvres d'art. Mais est-ce qu'elles ne peuvent pas l'être plus profondément? Qu'est-ce qu'elles viendraient faire avec ses gros sabots, la poésie? Parce que la poésie, jusqu'à présent, en effet, marche en sabots. Elle n'a pas digéré le monde moderne. Elle n'a pas les mots qui conviendraient à exprimer les mots et les chiffres et les formules qui conviendraient à exprimer noir sur blanc sur du papier ou avec accompagnement de guitare la vie des protons. Bien, on peut, me semble-t-il, incriminer d'une part le vocabulaire assez réduit qu'emploient les poètes en général. Alors on pourrait donc dire que, enfin, c'est un peu ce que vous disiez, terminologie insuffisante. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus que ça? Est-ce qu'il n'y a pas raffinement, ou plutôt absence à peu près complète de raffinement dans l'emploi des structures rythmiques, par exemple, ou dans l'emploi des structures linguistiques, soyons plus larges? Est-ce que la poésie ne se condamne pas, comment dirais-je, parce que les poètes manquent de formation logique, mathématique, structurale à notre époque? Peut-être qu'on ne peut plus faire de l'art si on n'est pas un petit peu homme de science, si on ne veut pas le devenir. Est-ce que la poésie ne sera pas dans cette situation? Est-ce que se faire plus savant n'est pas une nécessité? Si la poésie ou si les poètes ne deviennent pas des savants, s'ils ne deviennent pas des astronomes, en effet, ils en seront réduits éternellement à chanter ce que chantait Frédéric Mistral et Alfred de Vigny. Ils ne sortiront pas du vocabulaire rustique, du vocabulaire agricole et maritime, et également du vocabulaire relatif aux sentiments les plus forts et en même temps les plus frustes de l'homme. Oui, c'est et l'aventure certain. Humaine n'est plus là du tout. C'est certain, leur champ est limité par leur habitude, par leur tradition, par leur vocabulaire, mais encore une fois, qu'est-ce qu'ils auraient à dire à propos de choses qui, en tant qu'équation
ou en tant que plan de travail, sont déjà une œuvre humaine et sont encore plus une œuvre humaine au stade même des réalisations. Ils pourraient s'en moquer ou ils pourraient chanter en termes de psychologie. Le dévouement des héros de l'espace, par exemple, ou chanter le génie des inventeurs, comme Victor Hugo chantait Bunaberdi, alias Bonaparte. Mais pour entrer dans le secret des machines, pour entrer dans l'intimité géniale des chiffres, le savant, il suffit, et l'ingénieur, et le constructeur. Le poète restera toujours à la porte de l'atelier, si ce poète reste lui-même, ce que jusqu'à présent nous avons appelé un poète, c'est-à-dire un enfant, c'est-à-dire un maboule, c'est-à-dire un exilé de l'humanité vraie, c'est-à-dire un homme en dehors, qui s'étonne de tout et qui ne comprend rien, n'est-ce pas, qui chante vers Dieu, qui lance vers Dieu, ou vers le ciel, ou vers il ne sait quoi, au juste, l'expression de son ravissement, légèrement imbécile, devant les splendeurs et les énigmes de la vie. Peut-être, mais l'homme ne peut plus ne pas s'intégrer de plus en plus dans la société. Il ne peut pas résister à cette tendance, à cet appel, c'est une nécessité. Alors ce poète enfant dont vous parlez va peut-être faire la place à un poète ingénieur. Les peintres, ce sont les peintres abstraits auxquels succèdent maintenant des gens dont je ne sais pas comment on peut les appeler, et qui exposent des œuvres d'ailleurs intéressantes, qui ne sont plus des œuvres de peinture, mais qui sont des œuvres de mécanique ou des œuvres de petite métallurgie familiale, qui sont des héros de concours Lépine, les gens qui ont succédé aux peintres abstraits, n'est-ce pas, et qui quelquefois branchent sur le secteur des petits appareils et qui gigotent entre les quatre montants d'un cadre qui rappelle le cadre de la peinture. Les peintres, donc, déjà avec... Disons que vous désignez Burit à qui, c'est que vous pensez à leur récente exposition, je suppose. Peut-être, non, mais je ne fais pas de personnalité, en tout cas pas... Je ne veux rien dire de désobligeant pour personne, au contraire, je trouve cela assez sympathique, parce que c'est net et c'est clair pour la pensée. Le peintre abstrait s'est déjà intégré dans la société. Les peintres non abstraits s'étaient intégrés dans la société, mais ils s'étaient intégrés humblement, le peintre abstrait, dans le boulot général, n'est-ce pas, il travaille comme il peut dans une espèce de grande usine qui est l'usine du monde, il cherche à gagner de l'argent, il cherche à placer ses toiles, mais il ne se croit pas, chose curieuse, le peintre abstrait ne se croit pas mandaté, ne se croit pas mandaté par une puissance supérieure. Je crois que son attitude intime n'est pas éloignée de celle d'un tourneur sur métaux dans une usine. Il fait son boulot, n'est-ce pas, il fait son boulot qui est un boulot de peintre abstrait. Et les fabricants de petits appareils encadrés et suspendus au mur, qui se meuvent, ces gens-là, alors, bouclent, pour ainsi dire, la boucle, et rejoignent vraiment, vraiment, avec ingéniosité, avec humour et avec lyrisme, les travailleurs proprement dits de l'usine. Tandis que le peintre, disons, figuratif des grandes époques qui vont de la Renaissance jusque avant les impressionnistes, celui-là, ce peintre-là, comme encore le poète, est en dehors du coup, il est en dehors de la société. Il ne peint pas quelque chose qui doit s'intégrer dans le monde comme le tableau abstrait ou comme le mobile s'y intègre. Il peint quelque chose, n'est-ce pas, généralement un tableau d'église ou un tableau qui représente une splendide femme nue ou encore le portrait d'un général. Il peint quelque chose qui tranche nettement sur le monde, qui tranche nettement sur la nature. Si je pouvais éclaircir mon propos, je dirais que rencontrant dans une forêt ou dans un tas d'ordures une peinture abstraite ou une de ces œuvres métallurgiques, murales, rouillées, eh bien, ça serait très bien. Ça serait tout à fait à sa place dans la forêt, ça serait tout à fait à sa place dans la poubelle, n'est-ce pas ? Comme un objet usagé, comme un objet qui va avec le reste du monde. Tandis que si vous rencontrez dans une forêt ou dans une poubelle, un tableau léché qui représente Sainte Madeleine au pied du Christ, ou qui représente le général Dumas, par exemple, ou le général Hugo, eh bien, la place d'une telle œuvre n'est pas dans un taillis de la forêt de Fontainebleau, ni dans une poubelle, car à ce tableau est suspendue une intention nette de trancher sur le reste. Et les poèmes des poètes classiques, des poètes, disons, figuratifs,
de Le Comte de Lisle, par exemple, ou de José Maria de Heredia, tout en décrivant avec beaucoup de rythme et beaucoup de sûreté dans l'expression prosodique des scènes de bataille ou des luttes d'animaux ou des paysages exotiques, de telles œuvres se tenaient à l'écart de cela même qu'elles décrivaient, n'est-ce pas ? Elles étaient faites par des hommes qui travaillaient en somme en plein humanisme, mais leur éloignement de la réalité concrète qu'ils décrivaient faisait d'eux des espèces d'étrangers vis-à-vis des baobabs, des éléphants, des centurions ou des enfants qui pleurent un soir de barricade. Tandis que, avec la poésie libre, légèrement polémisante, nous voyons le poète essayer de rentrer à son tour dans le flot du monde. Nous voyons le poète faire des poèmes qui ressemblent à des articles de journaux, n'est-ce pas, qui ne mettent pas entre le lecteur et l'œuvre la barrière ciselée d'une poésie ou d'une prosodie plus exactement trop savante. Mais l'inconvénient de ce procédé, c'est que personne ne lit de tels poèmes, qui en effet sont exactement au niveau des journaux quotidiens, qui servent à être lus et qui servent également à ne pas être lus. On ne sait pas d'ailleurs à quoi ils servent d'abord. Donc, nous en revenons à votre question. Est-ce qu'il y a une chance de vitalité pour la poésie en dehors du feu de paille actuel qui est celui des chansonniers ? C'était Entretien avec Jacques Audiberti, une émission de Georges Charbonnier, assistante de réalisation Nicole Guesveler. Ces émissions ont été diffusées pour la première fois les 15 et 16 octobre 1963. Vous pouvez les réécouter pendant 1000 jours et les télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr.